Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo haul. Donc je vais commencer tout de suite avec les vêtements. Je finirai donc par les vernis, etc. Donc on va commencer, bon, c'est des achats que j'ai accumulés sur tout l'été. Donc on va y aller. Donc en premier j'ai acheté donc un sweat que j'ai trouvé chez 100% marque. Donc c'est un sweat qui est comme ça, à capuche, oula, avec des petites étoiles, et donc c'est un Adidas. Ah. Donc il est super joli, puis il fait pas trop sweat de sport quoi, donc c'est ça que j'aime bien. Donc il est comme ça. Ensuite je suis allée donc chez Intersport et j'ai trouvé donc un pull. Donc comme vous savez, il y a des habits là-bas, et donc j'ai trouvé ce pull. Donc c'est un Only. Donc voilà, c'est ouf, c'est un pull bordeaux, ils sont plutôt violet, j'ai l'impression à la caméra, mais il est bordeaux, et donc c'est en grosse maille, comme ça, et il est super confortable, on est super bien dedans, il est super joli. Donc petit détail, il est plus long en bas que en haut, plus de batterie. Donc voilà, il est comme ça, avec donc le col blanc. Donc il est comme ça. Ah oui, donc le pull, le sweat là, Adidas, je l'ai payé plus de 25€, je sais plus du tout. Le pull Omni, je l'ai payé 20€ et celui-là 25,99€. Donc il est comme ça, gris et blanc. Ah ouf, avec des petits motifs fleuris. Ensuite, j'ai pris donc une veste, toujours chez Intersport. Donc j'ai pris cette veste. Donc elle est en cardigan, enfin pas en cardigan, mais elle est jacquardée, voilà, jacquardée. Enfin, il y a des motifs jacquard, comme ça, donc elle est grise et blanche. Donc la capuche, elle est moumoutée, là, avec de la moumoute, là aussi. Et donc, là, ça fait plus sweet. Ensuite, je suis allée chez, donc cette veste, je l'ai payée cher, je sais plus exactement combien, mais je l'ai payé cher. Ensuite je suis allée donc chez IKKS et j'ai trouvé ce gros gilet trop bien. Donc il est comme ça, donc je sais pas, c'est pas très, enfin je vois pas beaucoup de hauls où les filles en fait elles vont chez IKKS, donc je vous mettrai le lien en fait en barre d'infos. Donc il est comme ça et il est vraiment trop beau. Donc il est en grosse maille, pareil, en laine, il est trop bien. Ensuite je suis allée chez Bonobo et j'ai trouvé deux jeans. Donc un pantalon, enfin c'est des treggings. Donc ce premier tregging qui est comme ça, avec des motifs donc fleurs gris, il est trop beau. Donc c'est un slim, hein. Voilà, et donc le deuxième, celui-ci, avec des petites têtes de peinture juste là et un peu chiné là. Hop. Donc il est trop bien, ils sont trop bien, donc c'est toujours un slim. Donc voilà, c'est tout pour les habits. Maintenant on va passer un peu aux accessoires. Donc je suis allée chez Moa, je sais pas si vous connaissez ce magasin, et donc j'ai trouvé trois bagues. Donc la première avec une petite aile, la deuxième que je porte au pouce, donc avec des pics en fait, ok, comme ça, et donc une autre comme ça que je porte donc ici, voilà. Ensuite j'ai trouvé donc dans une petite boutique un labello, donc le packaging est trop mignon, il est comme ça. Donc voilà, et je l'ai quand même bien bouffé depuis le milieu du mois de juillet. Et donc ensuite je suis donc sur un marché, j'ai trouvé deux vernis, donc ils sont comme ça. Donc un bleu ciel un peu, donc c'est le numéro 006. J'en cherche un depuis longtemps, hein, comme ça. Et un vert, donc c'est le numéro 007. Voilà. Ensuite j'en ai trop, donc ma grand-mère m'a acheté un vernis qui est comme ça, donc c'est un Love Me magnétique,
comme ça. La couleur est magnifique et en fait les mains ne marchent pas. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Et ensuite je suis allée chez Sephora où j'ai trouvé donc trois vernis où on en avait deux pour et le troisième offert. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est le L13 Tiramisu. Celui-ci, donc c'est le numéro 13 Seductive Red. Donc c'est celui que je porte sur les ongles. Et celui-ci, donc c'est le Hot Coral numéro 9. Voilà. Donc le haul est fini. Donc je suis désolée pour la rapidité de mes explications. Mais donc j'avais plus de batterie, j'ai la voix cassée. C'est un petit peu chiant. Donc voilà, si vous avez des questions, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à nous contacter Justine et moi par MT. En attendant, je vous fais de gros gros bisous et puis une prochaine vidéo. Ciao !